Impeccable. Super. Je peux m'asseoir, je suis obsédé de tout français. Oui, oui, bien sûr. Merci. Fait, tu viens de loin ? Bah de Lyon, bien sûr. Pourquoi bien sûr ? Bah parce que les sosies sont de Lyon, c'est bien connu. T'es un comique, toi, hein ? Il paraît. T'as pas le trac ? Tu sais, depuis le temps que je fais ce genre de soirée, je suis blindé. T'as toujours été sosie ? Oui. Au début, ma mère voulait que je fasse sosie d'Alain Delon. Physiquement, ça aurait pu le faire, mais j'étais pas assez intelligent. Moi, ce qui m'aurait plu, c'est sosie d'animaux. C'est sympa aussi, sosie d'animaux. Hein ? Si, c'est sympa. Moi, je voulais faire sosie de babar, tu sais, l'éléphant. J'ai abandonné. J'avais les oreilles, mais pas la trompe. Non, mais sérieusement, mais... Mais t'es con. Et pour toi, c'est qui le meilleur sosie ? Lui. Qui, lui ? Lui. Qui ça ? Lui, tu vois pas, là ? Ah ben, si tu vois rien, faut arrêter Clo-Clo, faut faire Gilbert Montagnier, ma poule. Tu vois pas, là ? Bah, non. C'est le sosie de l'homme invisible. Il est ressemblant, hein ? Non, mais t'es con, sérieusement. Ou vraiment, tu te fous de moi ? Ah non, non, je fous pas ta gueule, non. Non, je cherche simplement à te détendre. T'es crispé, là, ton tamboule. Hein ? Te détendre et te prévenir aussi. Et me prévenir de quoi ? Mais de la difficulté de ce métier, mon vieux. C'est pas facile. Surtout que même maintenant, t'as les anciennes vedettes qui viennent se reconvertir dans le monde des sosies. Tiens, pour donner un exemple, Régine. Tu connais Régine, la chanteuse ? Ouais. Eh ben, elle s'est recyclée en sosie de la mère Denis. Tu sais, la pub pour les machines à laver, là. Maintenant, tu me diras, quand tu la vois à la régine avec les yeux bridés et les lèvres qui gonflent, tu dis qu'elle doit sûrement faire une allergie à la lessive. Mais bon, tout ça pour redevenir une vedette, t'imagines ? Et mériter de notre confiance. Mieux vaut star que jamais ? Joli ! Et donc, tu te décontractes, on te dirait, hein ? Ouais, ça c'est bien. Tu crois vraiment que j'ai mes chances pour ce soir ? Oui, pourquoi pas ? Ah bah, ça sera pas facile, hein. Tu sais, il y en a des balèzes. Tiens, lui, par exemple. Lui, c'est un fort. Hein. Il s'entraîne tous les jours 24 heures sur 24, lui. Hein. C'est un numéro, celui-là. Non, mais si tu respectes bien Clo-Clo, si tu limites sans en faire trop, et surtout si tu restes toi-même, pourquoi pas ? Comment je peux être moi-même et Clo-Clo à la fois ? Eh ben, comment on fait, nous ? Hein ? Non, ce qu'il faut, c'est que le public voit Clo-Clo. Mais il faut que toi, dans ta tête, tu sois toi. Pas facile. Eh non. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. Et puis soigne ton entourage aussi. Ne leur en mets pas plein la vue tout le temps. Sois simple, naturel. Surtout avec ta copine. Et toi, t'as une femme ? J'avais. Elle s'est barrée avec le sosie de Brad Pitt. Alors qu'elle reviendra. Hein. Le mec, il n'aura pas la gueule de Brad Pitt toute sa vie. Hein. Un jour ou l'autre, il finira par ressembler à Roger Hanin. Et ce jour-là, elle reviendra. Non, mais sérieusement, ce qui est chiant avec toi, c'est qu'on sait jamais si tu déconnes ou si t'es sérieux. T'apprendras à me connaître. Tu voudrais être mon parrain dans le métier ? Et pourquoi pas, tiens ? Tu sais ce qui me plaît bien en toi ? Ce qui me plaît surtout en toi ? Non. C'était Claudette. T'es Françoise ? Oui, t'es Françoise, si tu veux, oui. Allez, à la tienne, filleule. À la tienne, parrain. Bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Bonjour. C'est le sosie de Pascal Denis, tu sais, le grand animateur. Là. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Ça, bonjour. Voilà, et je vous demande de me faire un tonnerre d'applaudissements. Il est un peu con, mais il n'est pas méchant dans le fond. Ouais.